prends ta trottinette aujourd'hui? Bon, aujourd'hui on a sorti la veste en jean. Il y a un petit air frais là. Allez, c'est bon, on est parti mon cœur. Gâtez-moi ce bébé s'il est pas bien. Oh mon amour. Qu'est-ce que tu touches? Non, reste assis, bébé. T'arrêtes, oui? Coucou à tous! Donc aujourd'hui, nous sommes jeudi et il est 9h30, je crois, du matin. Et en fait, là, je vais aller au polygone de Béziers pour aller m'acheter 2-3 habits. Voilà, j'ai plus rien. Et je vais profiter du début des soldes pour voir si je trouve quelques affaires. Hier, j'ai fait les soldes pour les garçons. Ça bouge, hein, désolée. Voilà, voilà, donc je vous embarque avec moi et puis là, ben, sinon Inzo, lui, il est à l'école, il mange à la cantine ce midi, donc c'est pour ça que j'ai profité d'aujourd'hui pour y aller. Et papa, ben, il garde Isaé, il travaille que cet après-midi, donc du coup, c'est pour ça que j'y vais aussi ce matin. Voilà, sinon je vais revenir sur la nounou. Pour ceux qui ont suivi, je vous avais expliqué que j'avais plus de nounou. Et là en fait j'en ai retrouvé une et je dois aller la rencontrer demain matin. Elle pourrait me prendre mes enfants, donc je suis très contente. Mais du coup en fait entre temps, comme c'était très très difficile de trouver une nourrice qui me prenait les deux en même temps, vous savez, Inzo lui il va au centre aéré le mercredi, jeudi, vendredi, mais du coup il me fallait une nourrice qui me prenne Inzo et Isaé le lundi, mardi et samedi. Et j'arrivais pas à trouver. Franchement, sur 20 ou plus de 20 appels que j'ai fait chez moi, aux alentours de chez moi, il n'y en a aucune qui était disponible. De ce fait, moi j'ai appelé le centre aéré et j'ai inscrit Inzo lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. En fait, j'ai inscrit Inzo toute la semaine de façon à trouver une nounou que pour Isaé. Et les week-ends, je me suis dit que si je trouvais personne pour le samedi et le dimanche, le dimanche, il y en a peu qui travaillent. Hein. Mais bon, du coup, je me suis dit que les week-ends, c'est pas grave, je les mettrai avec mes beaux-parents. J'ai la chance, j'ai mes beaux-parents qui ont emménagé il y a un mois, même pas un mois, à côté de chez nous. Voilà, ils habitaient pas du tout dans la région, ils ont déménagé. Et eux, bah, ça les dérange pas de prendre les petits-enfants, au contraire, ils sont super contents. Mais c'est moi je veux pas, voilà, je veux pas en abuser. Je préfère payer une nounou que de les savoir 7 sur 7 chez mes beaux-parents. Je sais qu'ils y seront très bien, c'est pas le souci, mais voilà, moi je veux pas ça. Hein. Après chacun fait comme il veut, il n'y a aucun souci. Mais du coup, si j'ai pas de nounou le week-end, eux, ils pourront les prendre les week-ends. Bon, enfin bon, je trouverai une solution pour les week-ends, mais là a priori j'en aurais trouvé une et qui en plus, bon maintenant j'ai inscrit Inzo au centre aéré, donc je pense le laisser au centre aéré, mais sinon cette nounou là pourrait me prendre Inzo et Isaé en même temps et pourrait me les prendre les samedis, donc ça serait parfait, comme ça ils iraient chez leurs grands-parents que le dimanche. Enfin bref, je vais voir ça, j'y vais demain là. Donc normalement j'ai une nounou à confirmer, mais j'ai une nounou, ça c'est un très très bon point positif pour moi. Bon allez, j'arrête de parler et on se retrouve au magasin.
appelé bien plus tard. Entre temps, bah, j'ai fait un petit peu les boutiques, je suis rentrée chez moi. J'ai essayé une paire de chaussures à Isaac que je lui avais acheté chez Zara en taille 20. Et en fait, elles ne lui allaient pas, j'étais dégoûtée, elles étaient trop petites. Donc j'ai mangé et je suis repartie à Béziers pour les échanger parce que voilà, je voulais les échanger. Enfin, elles m'ont coûté quand même 13 €, donc ça aurait été bête de pas les utiliser quoi. Sauf qu'il n'y avait plus la couleur que j'avais achetée au début. Je les avais pris en espèce de moutarde. Elles étaient super jolies, mais il n'y avait pas sa taille, il n'y avait pas sa pointure. Donc j'ai pris une autre couleur en bleu, mais elles sont beaucoup moins jolies, mais bon, c'est pas grave. Mais là, en fait, je ne sais pas où elles sont. Je voulais vous les montrer et je ne sais pas où elles sont. Elles sont pas là. Je vais vous faire voir ce que j'ai acheté du coup. C'est un petit peu trop blanc là, je crois bien. Bien que là c'est un petit peu trop blanc. Donc voilà, du coup à Isaé je lui ai acheté ses petites chaussures chez Zara. Donc elles étaient soldées à 13 €, enfin 2,99 € au lieu à la base de 18 €. Donc j'ai trouvé très jolies, mais en fait en moutarde elles étaient vraiment super belles. Donc bon bah là ça fera l'affaire parce que en ce moment je lui mets des crocs, mais c'est vrai que ça fait un peu plus habillé, c'est plus sympa quand même. La première chose que je me suis achetée, c'est ces super chaussures, je les trouve trop belles. Chez Pinky, je les ai trouvées. Et évidemment, bah, c'est de la nouvelle collection, donc il n'y avait pas de comment on appelle ça, de réduction dessus. Mais c'est pas grave, parce que j'ai pris la carte en fait, j'ai pris la carte Pinky, et du coup ça m'a donné droit à 10% dessus. Et je les trouve super jolies, elles sont rose clair, rose gold, un petit peu avec plein de paillettes, c'est très girly. J'aime beaucoup, en fait ça me fait penser au modèle qu'ils avaient l'an dernier Zara, et que ça avait fait un petit peu fureur, hein. On les voyait partout sur les Instagrammeuses beauté, enfin mode plutôt, et on les voyait partout ces chaussures là, et du coup bah, je pense qu'ils se sont clairement inspirés, hein, parce que c'est vraiment exactement les mêmes quasiment, juste pas la même couleur quoi. Elles coûtaient 20 € et elles m'ont coûté genre bah moins 10%. Ensuite, bon, rien à voir, mais avec mon mari, on s'est acheté les, vous savez, les masques comme ça pour quand on va aller en Corse, et puis que, puis voilà, et puis peut-être par chance on ira dans les Caraïbes, peut-être l'hiver prochain. Donc bon, bref, on les a achetés, on sait que ça nous servira. Donc on en a pris deux parce qu'on fait pas la même taille. J'ai pris S, M pour moi, et lui il a pris ML. Voilà, donc il faut vraiment que ça soit la bonne taille. Et Inzo, il est beaucoup trop petit, c'est qu'à partir de 10 ans, donc du coup, bah, on lui a pris juste un masque et un tuba tout simplement. Ça par contre c'était pas du tout en solde, hein. Ça vaut quand même 30 € le masque. Mais bon, je me dis que ça risque d'être sympa les fonds sous-marins en Corse. Enfin moi j'avais fait les îles Lavezzi, j'avais beaucoup aimé, et c'est quelque chose qu'on refera certainement en catamaran. Ah oui, dernière chose aussi, j'ai acheté cette piscine pour Isaé pour la plage, parce que c'est pratique, elle a pas besoin de la gonfler. Donc voilà. Ça c'est pareil, hein. C'était pas en solde, mais ça coûte pas cher, ça coûte 10 €. Ensuite, moi je me suis trouvé cette robe à moins 50% chez Jennifer. Coupe toute droite, à peine fendue au dos comme ça. Et vous savez, elle m'arrive un petit peu en bas des genoux. Et j'aime beaucoup ce type de robe. J'adore les porter avec des Converse basses. Voilà, ça fait une tenue décontractée mais en robe, vous voyez. J'adore ce style. Ensuite, je me suis trouvé ce petit body que j'ai trouvé sympa. Moins 30%. En fait, ça fait style marinière avec des petits crochets comme ça. Je trouvais ça assez mignon. Et j'aime bien, c'est un body et au dos, il est tout... Voilà, presque on pourrait croire que c'est un maillot. Mais en fait, non, c'est bien un body. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Je me suis dit qu'avec un short taille haute en jean, ça ferait très joli. Et j'ai acheté chez Pinky toujours ce très joli short en jean. Voilà, avec les petites franges en bas. Et... ce que j'ai beaucoup aimé, c'est les broderies ici. Alors ça c'est très tendance, c'est hyper vieux et ça revient très à la mode, donc on aime ou on n'aime pas, mais en tout cas je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, celui-là je n'ai pas du tout essayé pour l'instant, donc on verra bien. Et il était donc 25 25 €, mais il y avait 40% dessus, donc ça reste raisonnable. Voilà ce que j'ai trouvé chez Pinky. Et ensuite j'ai acheté de nouveaux livres pour Inzo, parce qu'il va plus, vous savez, à la bibliothèque. Et en fait j'y ai pris des livres en anglais.
Donc, je lui ai pris celui-ci, c'est Hello, I am Charlie from London. Et celui-ci, donc celui-ci c'est de la collection Loulou, hein. Vous voyez le genre. Sur celui-ci, il y a un CD inclus, donc voilà, je me suis dit que ça serait pas mal. Et il y a aussi dans la même collection From Scotland, New York City et Sydney. Sydney, il y était pas, sinon j'aurais pris Sydney. Mais bon, comme il a déjà été à Londres, au moins, je lui dirai ça. Et ce que j'ai particulièrement aimé sur ce livre, c'est qu'en fait, à la toute fin, il y a la traduction de tout le livre. Donc, c'est plutôt chouette, hein. Même pour moi, hein, parce que moi, je suis pas non plus bilingue. Et parfois, il y a du vocabulaire que je ne connais pas. Donc, il y a toujours moyen de deviner hein, par rapport à la phrase. Mais parfois, je bloque sur des vocabulaires. Et donc, du coup, il y a toute la traduction du livre donc en français. Donc, ça, c'est plutôt super bien fait, je trouve. Bref, celui-ci m'a l'air d'être super pas mal. Bon, par contre, il m'a quand même coûté 14 euros. Et celui-ci, il était pas cher. Il était un peu plus de 5 euros. 5,95 €. C'est tout, je vous ai tout montré, j'étais un petit peu vite hein, parce que je voulais pas que ça dure 3 plombes. Sinon aussi, tant que j'y suis, j'ai reçu ça. Donc j'ai reçu ça de la marque Aderma via Octoly et c'est de la protection solaire plus 50 parce que en fait j'ai celle que j'avais, vous savez, de la même marque que mon huile là, qui était super bien, mais je l'ai oubliée en allant à la piscine chez mon cousin l'autre jour. Du coup j'en avais plus. Donc là j'ai reçu celle-ci. Je vais voir si elle est grasse. Bon, après, je me suis fait un petit peu hein, arnaquer parce qu'en fait, j'avais commandé sur le Free Store d'Octoly. C'était un lot de 4 crèmes protectrices, dont une pour les enfants, il me semble. Et il y avait un sac. Et en fait, ils m'ont envoyé qu'un produit parce qu'il y a eu une erreur d'informatique. Enfin, bon, ils m'ont dit ça dans le message. Donc, je sais pas si un jour je recevrai les autres crèmes. En attendant, j'ai reçu celle-ci. Je vais voir déjà. Ils disent sans transfert blanc. Qu'est-ce que c'est marqué? Très haute protection, 50+. Bon, on va voir. Donc je l'essaye sur ma main. Elle s'estompe bien quand même, non. Ça va, elle s'estompe très bien. Elle n'est pas trop épaisse. Elle est plus épaisse que celle que j'avais avant de la marque... je ne sais jamais comment ça se prononce. Nuanciam, je sais pas si ça se prononce comme ça. Elle est un peu plus épaisse que celle que j'avais précédemment, mais ça va, ça reste pas, ça colle pas par contre. À tester à la plage, voilà. On verra bien, on testera ça. En tout cas, bon, j'en ai une au moins que je peux utiliser quand même. Et sinon, j'ai reçu ça. Donc ça, c'est un bronzer de la marque Estée Lauder. Estée Lauder, c'est une marque que j'adore beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et là, j'ai donc commander cela sur le Free Store d'Octoly. Alors le packaging il est magnifique et franchement c'est un très très grand format, il est super grand, enfin vous voyez par rapport à ma main hein. J'ai pris la teinte numéro 1 parce que je suis pas très bronzée et voilà, je préfère. Comme c'est un bronzer, c'est toujours très foncé, donc c'est très joliment présenté. Donc là, il y a un joli pinceau à l'intérieur, hop. Et ensuite, elle se présente comme ça. Donc, elle est très belle. Elle est complètement mate, apparemment. Il n'y a pas d'irisé, il n'y a pas de paillettes. C'est tout ce que je voulais dans un bronzer. Donc, je vais tester ça. On va voir ce que ça donne. Je regarde sur le miroir, voir ce que ça donne. Bon, par contre, je ne l'appliquerai pas avec ce pinceau, je pense. Je n'ai pas l'habitude d'appliquer mon bronzer avec ce pinceau. Bon, alors à première vue ça fait vraiment bien son effet hein. Plus ça apporte vraiment de la couleur. Vous allez certainement pas voir avec la luminosité, mais moi je le vois ici. Donc faudra que j'essaye ça sur un visage maquillé un peu mieux, parce que là je suis pas du tout maquillée ni rien. Je ressemble plus à rien hein. Et il y a un grand miroir aussi, trop chouette. Et voici la référence, hein, donc pour ceux que ça intéresse. Voilà, voilà, oui, je l'ai ton masque, mon cœur. Ça y est, j'ai fini. Voilà pour vous donner un aperçu de la robe de chez Jennifer. Bon, là, je suis sur mon lit, donc j'ai pas mis des chaussures, mais portée avec des Converse basses, ça va faire super, super joli. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Bon, et voici le short et le body, donc je ne mettrai pas du tout les deux ensemble. Hein, ça ne va pas du tout ensemble.
la broderie avec le style marinière, faut mettre avec un short uni. Par contre, je l'avais pas essayé, du coup, il me va trop grand, mais bon. Et j'aime bien le dos. Le dos qui est complètement, vous voyez, nu. Elles sont trop belles, elles sont super confortables parce qu'elles sont complètement plates. Hein. J'adore. Avec un t-shirt en jean, même une petite robe, ça peut faire super sympa.